Conformément en cours. Messieurs les officiers, sous-officiers, nous sommes heureux de ce moment pour remettre ce 55e prix de civisme de dévouement à la fanfare du 27e décennie. Nous saluons le travail de l'adjudant-chef Frédéric Moron, qui dirige le même maître sa fanfare, ainsi que tous les musiciens qui la composent. C'est un grand honneur de vous récompenser pour le talent professionnel que vous disséminez dans notre département, mais aussi à travers le monde. Bravo pour la mission que vous menez et longue vie pour notre 27e décennie. Fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins, candidature présentée par le colonel Paul Sanzé, commandant du 27e bataillon de chasseurs alpins. Le colonel Sanzé précise que les caporaux et chasseurs de la fanfare du 27e BCA, par leur dévouement et leur créativité dans leur emploi, dépassent très largement le cadre de la mission reçue. Nous citons, cette fanfare est composée de 30 militaires de carrière, d'actifs et de réserve, de formation musicale, d'un niveau professionnel, sportif ou universitaire. Premièrement, lien avec la montagne, suivi d'entraînement du personnel de montagne, dernière fanfare des troupes de montagne, emploi d'instruments et accessoires traditionnels régionaux, programme de spectacle sur le thème de la montagne, hommage aux filles de course de montagne, animation des stations de sport d'hiver, inauguration diverses. Deuxièmement, action au profit des troupes de montagne, jeux mondiaux militaires, animation des challenges sportifs, participation aux prises d'armes, animation des festivités de Sidi Ibrahim, célébration religieuse, accueil d'autorité, dissolution de bataillon, partenariat avec le club sportif, rayonnement de la fanfare sur de grands événements en France tels que festival de musique, pèlerinage militaire international à Lourdes, défilé des Champs-Élysées 14 juillet 2005, en tribune d'honneur et défilé en 2012, etc., etc. Troisièmement, activité complémentaire de dévouement et de dévouement de mémoire. Animation dans les écoles primaires, animation dans les maisons de retraite, de mémoire, apprentissage des chants patriotiques, hier à l'Aubroche, chant des partisans marseillais, participation au concours de la résistance au chemin de la mémoire, hier en fête. En tête de chaque défilé, civil ou militaire, depuis de 140 ans, la fanfare du 27e BCA a constamment prouvé son incroyable facilité d'adaptation. Dernière et unique fanfare de chasseurs, elle assure le devoir de mémoire et de représentativité au sein même des quartiers militaires, mais aussi lors de cérémonies commémoratives traditionnelles. La fanfare du 27, vecteur de communication essentielle pour les troupes de montagne et le 27e BCA, est devenue depuis peu une référence dans le monde musical militaire. De par son dévouement, le rôle de la fanfare a dépassé le cadre de la brigade et est devenu un véritable instrument de communication. Un trait primordial entre l'armée et la nation. C'est un facteur social de cohésion, ambassadeur de culture et de mémoire. Ce prix civique que nous vous décernons ce jour est le résultat du comportement exemplaire de la fanfare, d'un investissement total sur les autres et dans votre vie de tous les jours. Être intimement convaincu que ce n'est pas ce qui est au fond de nous, mais les actes qui font ce que nous sommes, et à l'heure où nous intensifions les démarches et les questions à la citoyenneté, nous éclaire sur la voie de la réussite. Nous terminons cette exposé tout simplement par quelques mots. Le rayonnement de la fanfare en France, en Europe, et bien plus loin, fait honneur à notre emblème national qui, de par les trois couleurs arborées par deux saints et une sainte, lui confère une identité sacrée. Le bleu de la généalogie de Saint-Martin, le blanc de la gloire des Saint-Jacques d'Arc et le rouge du sacrifice de Saint-Louis. La fanfare du 27, entre autres qualité que vous avez décrite, on a une autre, c'est celle de rapprocher les générations, et on voit bien aujourd'hui, de rapprocher les gens d'actifs et les gens de réserve, puisque parmi les chasseurs qui sont derrière nous, certains sont des chasseurs d'actifs du 27 et d'autres de réserve, de continuer au fil des ans et sous la baguette extrêmement talentueuse de notre chef Moron, une œuvre qui a été entreprise il y a de nombreuses années, mais elle a vraiment des qualités intrinsèques. Et elle fait du civisme tous les jours sans le savoir. Et ça, c'est pas une exclusive de la fanfare, c'est une caractéristique des bataillons chasseurs professionnels aujourd'hui. Voilà, la fanfare met en avant les qualités musicales de ses musiciens, les caractéristiques des chasseurs, celles des montagnards, les valeurs sur lesquelles se fonde notre armée française.
et elle prépare les actions de demain. Et donc je suis très fier de la Fanfare 27, je suis très sensible au choix que vous avez fait de la récompenser par ce prix. Par le musicien de la Fanfare 27, la mémoire musicale et la mémoire militaire tout court restent vivaces ici à Annecy. Merci de votre présence qui nous touche et merci de votre témoignage. Nous sommes très touchés aujourd'hui de recevoir comme ce prix. C'est vrai que je vous remercie vraiment de l'honneur que vous faites au nom de tous les fanfaristes. Je tiens à vous remercier. Les anciens ont connu déjà quelques époques de gloire, on va dire, ceux qui sont là depuis 7, 8 ans, 10 ans. Et je tiens à féliciter surtout les nouveaux qui viennent d'arriver en 2014, en 2011 ou 12. Et eux reprennent donc le défi et sont sur la bonne trace de l'ancien. Bravo à tous. Notre fierté, notre tigre.